Bonjour les gens, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer comment obtenir 31 sur 31 le jour du permis de conduire. Alors honnêtement, je vais viser le maximum évidemment. Pourquoi ? Parce que comme je dis à mes propres élèves, le permis est ici, nous on va t'amener là parce qu'avec du stress, évidemment, tu risques d'atterrir ici. Si vous visez seulement les 20 points minimum pour avoir le permis de conduire, avec un peu de pression le jour J, vous allez malheureusement atterrir à 15-16 points. Donc il faut vraiment viser le maximum pour, avec un peu de stress, pouvoir évidemment obtenir l'examen. Alors la première des choses, c'est évidemment d'avoir un certain bon niveau. Vous devez particulièrement bien maîtriser votre véhicule. Vous devez aussi y croire parce que sans une bonne psychologie, ça deviendra impossible à avoir. Donc n'oubliez pas non plus que le jour de l'examen, vous êtes évalué sur des compétences. Vous n'êtes pas évalué sur un t-shirt Batman par exemple. Vous n'êtes pas non plus évalué sur votre physique. En fait, si vous passez le permis bientôt, vous savez d'ores et déjà à quoi correspond cette fameuse grille. En gros, pour faire simple, vous avez 14 compétences et vous ne devez pas avoir d'erreur éliminatoire. On vous demandera minimum d'avoir 20 sur 31. En gros, plus je fais de bêtises, plus je perds de points. Si maintenant vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur comment convaincre l'examinateur le jour du permis de conduire, eh bien je vous invite à cliquer en haut de la vidéo et vous allez voir, dedans je détaille absolument tout. D'abord c'est assez simple, vous êtes évalué sur l'installation au poste de conduite. Donc ça vous allez très vite le voir, on va le faire tout à l'heure. Ensuite, à l'heure où je tourne cette vidéo, les questions d'examen sont neutralisées. Vous n'avez plus de questions sur les vérifications du véhicule. Aujourd'hui, à cause de la crise sanitaire, l'État vous offre 3 points gracieusement. Ça veut dire là aussi que sans même rien faire, j'ai déjà 5 points minimum, j'ai déjà 3 points sur les vérifications, 2 points sur l'installation. Il ne m'en manque que 15 pour avoir le permis de conduire. Ensuite, on va évaluer votre maîtrise des commandes. On va regarder le volant, la boîte de vitesse, comment vous avez tendance à utiliser vos pédales aussi. Si par exemple, il pleut, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais je dois absolument être à l'aise avec tout ce qui est commande, essuie-glace, feu, ventilation. Vous voyez, si vous passez bientôt le permis et que ça, vous savez pas trop où ça se trouve, déjà, ça va pas. Allez surtout le travailler ou demander lors de votre prochaine séance de conduite à votre moniteur comment ça fonctionne. C'est un petit peu pareil, il faudrait pas attendre qu'il y ait de la buée partout pour réagir. On anticipe. La prise d'information, c'est le plus éliminatoire lors de l'examen. En effet, un bon conducteur, c'est avant tout un bon observateur. Vous devez bien observer en général, chercher les indices sur la route, les piétons, les feux, les marquages au sol, mais aussi savoir contrôler dans vos rétros vos angles morts quand nécessaire. Par rapport à ça, vous devez ensuite bien adapter votre allure. C'est pas possible d'adapter correctement mon allure si j'ai pas vu le piéton qui traverse. Je peux pas non plus adapter mon allure si j'ai pas vu la priorité à droite. La réglementation, c'est tout ce qui est respect avec le code de la route. Quand je manœuvre, je ne suis pas prioritaire, je laisse passer les gens autour de moi. Quand j'arrive sur un stop, c'est pas négociable, je suis largement obligé de bloquer mes roues et marquer un franc arrêt. La communication avec les autres, c'est essentiellement les clignotants. Maintenant, rien ne m'empêche d'utiliser par exemple mes mains pour faire signe à un autre conducteur de passer. Je peux aussi par exemple klaxonner, faire des appels lumineux. Le partage de la chaussée, c'est tout simplement le placement. Vous voyez, dans les grandes villes, si je suis dans une voie affectée pour aller à gauche, une fois que je suis dedans, je ne peux plus en sortir. Dans les giratoires, vous allez le voir tout à l'heure, il faudra absolument que votre placement soit parfait. Ensuite, les espaces de sécurité, c'est par rapport à devant vous, mais aussi les distances latérales lorsque vous manœuvrez. Vous ne devez pas passer à ça des véhicules, sinon il y a de grandes chances qu'on intervienne à votre place. La courtoisie et la conduite économique, c'est tout simplement qu'à un moment donné, il ne faut pas chercher ces points-là. Si à un moment donné, je peux être courtois sur la route, je peux avoir une conduite écologique, pourquoi pas le faire? Mais je ne vais pas chercher à avoir ces compétences-là, je vais pouvoir le faire seulement si la situation le permet. Là aussi, quand on vous parle de courtoisie, mais aussi de conduite écologique, c'est bien beau, mais honnêtement, il vous faut vraiment un très bon niveau en conduite pour pouvoir obtenir ces 2 points bonus. Et puis finalement, vous avez 3 points sur l'autonomie. Pendant 5 minutes, on vous laissera faire, on vous laissera suivre une direction à travers les panneaux. Attention à bien prendre l'information. L'analyse et l'adaptation aux situations en général, c'est tout simplement est-ce que vous comprenez la route, parce que sur la route, et oui, il faut comprendre des fois certaines situations. Je comprends que devant ça freine, je comprends que ce piéton veut traverser, je comprends aussi que si je freine fort, bah lui, il risque de me rentrer dedans. Maintenant, je peux vous donner toutes les explications du monde que je veux. Le mieux, bah, c'est tout simplement de passer à l'action. On y va. Allez, donc je termine mon installation au poste de conduite, du coup. Et on va y aller. Donc, vous voyez, je règle vraiment d'abord la profondeur du siège, c'est très important. Les rétroviseurs.
Donc la musique, on n'en a pas vraiment besoin. Ok. Et donc le jour du permis, attention, vous êtes trois dans le véhicule. C'est important aussi de se retourner pour vérifier en vision directe là que l'inspecteur, enfin que le moniteur plutôt, pardon, ait mis évidemment sa ceinture. Allez, donc je vérifie qu'il n'y ait aucun voyant rouge sur le tableau de bord. Vous voyez, là, c'est pas trop mal. Et avant de partir en circulation, je vais surveiller autour de moi. Voilà, s'il n'y a rien, je vais mettre le clignotant. Je m'écarte et on est parti. Donc là, j'ai l'obligation d'aller à droite. Ça veut dire que déjà, les deux rétros, le clignotant. Voilà, je ne demande pas à l'inspecteur où je dois aller. Un petit angle mort si j'ai un doute. Et je tourne. Ok. Ensuite, nous irons à gauche. Donc les deux rétros, le clignotant, et je me place tout à gauche parce que je suis à sens unique. Comment je le sais? Tout simplement, le marquage au sol prend toute la route. Donc à gauche, c'est bon. À droite, il y a du monde. Pas de souci, je garde le frein. Et là, vous voyez, il y a du monde. C'est pour la simple et bonne raison qu'on est le 2 septembre et qu'aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Donc un dodane, tout de suite, je lâche l'accélérateur. Derrière, je ne suis pas suivi de près. Je passe mon ralentisseur et je continue. Ici, j'ai un piéton à gauche qui ne traverse pas. Je ne peux pas aller à droite, c'est limité à 30, coup d'œil derrière. Devant moi, un ralentisseur, je lâche déjà un peu l'accélérateur. Ok, je surveille que le piéton ne traverse pas, c'est bon. Et ici, je suis potentiellement sur une priorité à droite, petit coup d'œil, mais il y avait le panneau sens unique. Devant moi, la circulation est ralentie, je freine, je surveille derrière et je m'aperçois déjà que je suis suivi de près. Ici, je garde de la distance. Le problème, c'est que si je colle et qu'il me recule dessus, je suis en tort à 100%. Donc je redémarre, rétro gauche, rétro droit. Je pousse ma première. Le feu est vert depuis un petit moment, pied au-dessus du frein. Derrière, ça va et je passe. Même si je suis prioritaire, je surveille l'intersection. Certains vous diraient, fais-le pour faire plaisir à l'inspecteur. Moi, je vais vous dire, fais-le au cas où quelqu'un te dépasserait, par exemple, et grillerait le feu. C'est toujours 30, derrière ça colle pas, le piéton ne traverse pas, le croisement il est facile, j'ai plusieurs panneaux, je les lis, traversée d'enfants, un parking, ici on m'annonce un ralentisseur, de nouveau coup d'œil derrière, et je vais à droite. Les deux rétros, le clignotant, le placement, ici je garde le frein, je n'y vois pas, et on m'annonce que je suis dans une rue à sens unique. Ok, je surveille, il y avait une voiture avec des feux allumés, ici tout est calme. Je vais essayer du coup de continuer. Alors, on me dit rien, en même temps c'est tout à fait normal, je sais que je dois aller ici. Voilà, je mets ma première. C'est un peu compliqué ici en deux, j'ai mis ma première, j'ai une bonne gestion de l'allure. Devant moi, le monsieur, je ne le dérange pas plus, clignotant c'est bon. Désolé monsieur, et je continue. Ici monsieur, on se garera à droite sur l'emplacement de votre choix. Les deux rétros, le clignotant, le placement, je glisse ma première. Interdit plus d'une heure, c'est bon, je peux me garer. Quand je suis droit par rapport à en face, je redresse. N'oubliez pas une chose, vous avez une manœuvre le jour de l'examen. Quand vous mettez le point mort, le frein à main, ça veut dire tout simplement que vous validez et vous mettez le point final sur ce que vous venez de faire. Ensuite, je vais tout simplement repartir. Alors, à gauche, il n'y a pas grand monde. Autour de moi, c'est assez calme, clignotant à droite parce que je recule à droite. Je fais bien attention autour de moi de nouveau. En marche arrière, je vais bien surveiller derrière. Voilà. Vous voyez, ça fait trois fois que je regarde le côté gauche. Quand je suis droit par rapport en face, je m'arrête. Avant de repartir, petit angle mort. Là, s'il y a un vélo, je ne l'entends pas. Je vais aller à gauche, rétro clignotant placement. Et vous voyez, je suis à sens unique parce que le marquage prend toute la route. Je m'arrête à la ligne et j'avance au ralenti. Je me penche. Vous voyez, si je suis là, je ne vois rien. Je me penche. Donc les deux... Côté du trottoir, c'est bon. Là-bas, j'ai une voiture avec le clignotant à gauche. La deuxième, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle tourne. Donc, je vais devoir m'avancer au ralenti, je ne prends pas de risque. Allez, ici, c'est bon, on y va. Ok, de suite, je relance, je surveille derrière moi, tout va bien. Possibilité de mettre la troisième, je le fais malgré le feu rouge. Le piéton ne traverse pas, le feu est rouge. Monsieur, nous irons à gauche, les deux rétros, le clignotant et le placement. Je garde la distance. Première, je ne me suis toujours pas arrêté. Derrière, c'est bon. Et voyez, j'ai une bonne gestion de l'allure. Je ne m'arrête pas pour rien. La couleur du feu, elle est verte. Ici, c'est bon. Je vais laisser passer les gens en face. Ok.
Il m'a fait signe, angle mort, c'est bon. Donc normalement, il est prioritaire. Il m'a fait signe d'y aller, j'ai pris la décision de le faire. Je peux pas aller à droite, le panneau me le dit. Derrière, j'ai personne, le passage piéton est vide. Et j'arrive sur un ralentisseur. De nouveau, je freine, je rétrograde. Allez, je laisse rouler ma voiture. Hop, et je reprends l'accélérateur. Derrière, j'ai personne. Le feu est vert, il change de couleur. Je resurveille et je m'arrête. Là, on ne me donne pas le choix de la direction. C'est normal. À droite, c'est un sens interdit. Donc, vous voyez, j'ai le stop and start. Je l'utilise. Ma voiture se met en veille. Je garde le frein. Comme ça, si du monde arrive derrière, il voit à la fois la couleur du feu rouge, mais aussi mes feux stop. En gros, la circulation est bloquée. Le feu est vert. Le rétro gauche, il n'y a personne. Le rétro droit non plus. Ici, personne grille le feu. Et je me lance. Donc, je vais pas mettre la troisième. Pourquoi? J'ai un ralentisseur, donc aucun intérêt. Derrière, j'ai toujours personne. Je cherche bien. Il pourrait y avoir des piétons. J'ai le pied au frein. La dame à gauche traverse pas. Et bien, je continue. Entre parenthèses, je ne sais pas où je suis et j'en ai rien à faire. Vous voyez, si demain on doit vous dire « Vous allez passer le permis, mais dans une autre ville », en soi, c'est pas grave. Je sais reconnaître un feu, je connais les régimes de priorité, je sais à peu près manœuvrer, je cherche. Vous voyez, là-bas, j'ai un vélo, un jeune homme en vélo, mais je l'ai vu déjà. Ça veut dire que s'il traverse, je l'ai vu. Allez, feu rouge, je surveille de nouveau derrière. On me dit rien, c'est tout droit, pas de souci. Allez, vous voyez, je m'arrête pas, reprise première, le vélo, c'est bon. Ok, là j'ai deux indices, un ralentisseur, un feu rouge tricolore. Eux, ils sont pas prioritaires, ils sortent d'un centre commercial. Et au feu, nous tournerons à gauche, les deux rétros le clignotant. Et là, mon placement, je le vois déjà. Placement gauche pour aller à gauche. Vous voyez, en même temps, je quitte la zone à 30, ce qui veut dire que personne ne me dira désormais que c'est limité à 50. Donc feu rouge, je vais surveiller derrière. Ok. Et si j'ai la possibilité, pourquoi pas de nouveau, stop and start. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que je n'allais pas chercher à utiliser la conduite économique. Par contre, j'ai l'occasion, je le fais. Aujourd'hui, ma voiture, elle a une certaine technologie, pourquoi pas l'utiliser. Et là, je continue à chercher. Vous voyez, dans mon rétro gauche, j'ai personne. Le feu est toujours rouge. Derrière, trottinette, voiture, vélo. Pas de souci, je les ai vus. À droite, j'ai personne. Et je continue à chercher. À partir du moment où il y a du monde ici qui arrive, évidemment, le feu ne peut pas passer au vert. Devant moi, la trottinette, elle m'a dépassé, il n'y a pas de souci. Alors, s'il s'engage, à mon avis, le feu va bientôt passer au vert. Bon, lui, il a grillé. Donc, il est en décalage, ce feu, puisqu'à droite, là-bas, les véhicules passent. Et normalement, quand je vais tourner à gauche, je devrais céder le passage aux gens en face. Maintenant, je verrai bien aussi comment est réglé le feu, hein. Parfois, on nous demandera de tourner sans céder le passage en face, suivant le réglage des feux tricolores. Et feu vert, j'y vais. Allez, on vérifie quand même le passage piéton, on n'est pas là pour écraser du monde. Donc je ne m'étais pas trompé, en face le feu est bien de couleur rouge, mon rétro, j'ai personne. J'ai le pied au frein au cas où du monde arrive, et j'y vais. Donc étant donné que j'ai quitté la zone à 30, je l'ai vu hein, tout à l'heure, je peux relancer un peu ma voiture. Ici, je suis limité à 50, ben, je suis à 48, c'est pas mal. On m'annonce là-bas, alors ici je sais qu'ils ont un stop, on m'annonce, ok c'est bon. Ici un futur passage piéton, il n'y a personne non plus. Le feu est vert depuis longtemps, derrière ça colle pas. J'ai le pied au-dessus du frein au cas où, et je passe. Ici personne n'a grillé le feu. Et là je vais aller à droite, je vais aller terminer la vidéo du coup. Allez, petit angle mort dans le doute, ok, je suis dans une impasse, il n'y a pas de souci. Alors, ici, ben, je vais arriver d'ailleurs, pied au-dessus du frein au cas où. Ok. Allez, ben, du coup, je vais me garer ici directement sur le parking. Voilà, et je vais arrêter cette vidéo. Donc, vous voyez, finalement, il faut vous dire qu'il ne faut pas chercher à faire le maximum, c'est-à-dire 31 sur 31, mais il faut plutôt essayer d'être cohérent, avoir un bon niveau, une bonne psychologie et évidemment y croire. Si on vous présente demain au permis de conduire, c'est que vous avez le niveau. Et après, partez du principe que vous devez faire de votre mieux. Je le dis souvent, cette phrase paraît bête. Et pourtant, combien d'élèves ont passé le permis? On trouvait facile, on trouvait l'inspecteur sympa, mais ne l'ont pas eu. Voilà les jeunes conducteurs, dites-moi si cette vidéo vous a aidé et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Bon courage à ceux qui passent bientôt, à plus les gens.